Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et encore une fois, je ne suis pas seul dans cette vidéo. Comme vous le savez, j'ai demandé à des collègues YouTubeurs s'ils seraient d'accord pour faire une vidéo dans laquelle ils nous diraient ce qui leur a plu ou pas en 2018 dans le domaine de la tech et voir ce qu'ils attendent pour 2019. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sandstorm qui possède une chaîne YouTube qui se nomme Juste Geek et un blog du même nom. Sandstorm a accepté de nous faire un retour sur la tech de 2018 et ce qu'il attend pour 2019. Je vais laisser Sandstorm se présenter et vous verrez que sa vision de la tech est intéressante. Mais juste avant, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, on parle high-tech, de smartphones, d'applications et aussi de l'actu high-tech. Si ça vous dit, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc, comme dit en intro, je laisse la parole à Sandstorm et je vous retrouve juste après. Salut Stéphane et salut à ta team YouTube, comme tu l'appelles. Alors pour commencer, je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Sandstorm et je suis blogueur high-tech. Donc j'ai un blog qui s'appelle justegeek.fr et je fais aussi parfois quelques petites vidéos YouTube pour agrémenter des reviews, pour des tutoriels, etc. Bon, je tiens à remercier Stéphane qui m'a proposé d'intervenir un petit peu dans cette vidéo pour parler de mon année high-tech 2018 et de ce que j'attends un petit peu de 2019, toujours dans le domaine de l'high-tech. Alors en 2018, qu'est-ce qui m'a marqué au niveau de l'high-tech? C'est l'arrivée en France de l'Amazon Echo. Alors moi, je sais que j'avais pas encore sauté le pas de l'assistant vocal, donc il y avait pas mal de gens autour de moi qui avaient déjà le Google Home, etc. Moi, je m'étais dit, je vais attendre un petit peu, et puis finalement, j'ai eu la chance d'être choisi par Amazon pour être bêta-testeur de l'Amazon Echo en France, et donc d'Alexa en français. Et donc, j'étais hyper content, j'ai reçu le produit, j'ai déballé, je me suis dit, ouais, c'est bien, mais à la base, il n'y avait quand même pas grand-chose, pas énormément de skills. Du coup, je me suis dit, ça sert pas à grand-chose. Puis finalement, j'ai regardé un petit peu des forums, j'ai participé à bon nombre de discussions, et puis, au fur et à mesure, des skills sont arrivés. J'ai contacté aussi des éditeurs en disant « Ah, ça serait bien que votre produit qui est compatible dans d'autres pays soit compatible aussi avec la France, etc. » Et puis du coup, j'ai vu vraiment le produit évoluer d'un truc assez basique où vous ne pouvez pas faire grand-chose à quelque chose maintenant dont je me sers presque tous les jours. Alors pas pour faire tout, mais voilà, je m'en sers quand même assez souvent. Je m'en sers pour la domotique, pour allumer des lumières, fermer des volets, etc. Je m'en sers pour commander des prises connectées, je m'en sers pour avoir la météo, parfois pour lui demander de la musique, enfin voilà. Les cas d'usage sont vraiment divers et je pense que c'est le premier objet ou le premier domaine de l'high-tech qui m'a vraiment marqué en 2018. Deuxième chose qui m'a un petit peu marqué aussi, c'est côté impression 3D. Voilà, j'ai reçu une nouvelle imprimante 3D en test durant l'année 2018. J'avais déjà une imprimante 3D mais je m'en servais pas énormément, j'avais plutôt pas mal de galères de réglage avec, etc. Puis finalement j'avais assez vite mis de côté et là j'en ai eu une autre en 2018. Vachement plus sympa, déjà je l'ai monté moi-même, donc le fait de la monter soi-même, on comprend déjà mieux un petit peu les rouages de l'impression 3D et tout. Et puis finalement, elle m'a pas fait du tout galérer, le paramétrage a été simple, a été facile, et du coup j'ai pu me lancer vraiment dans mes premières impressions 3D. Après, bah, par manque de temps, j'ai pas pu pousser au-delà, mais je trouve que c'était déjà pas mal le fait d'avoir son imprimante, de pouvoir l'améliorer aussi, j'ai fait quelques petites améliorations. Donc voilà, c'était un petit peu ma deuxième révolution ou évolution en 2018. Il n'y avait pas vraiment de grosses révolutions high-tech, après sur tout ce qui est smartphone, tablette, PC, etc. Il n'y avait pas pour moi de révolution, il y a eu des petites évolutions tout au long de l'année, des références de smartphones qui se sont multipliées. Au final, on a un petit peu du mal parfois à s'y retrouver, on a un petit peu du mal à faire ses choix. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y avait pas grand-chose. Donc moi, ce serait plus l'Amazon Echo et l'impression 3D avec ma Tarantula que j'ai eu cette année. Prenons maintenant le problème dans l'autre sens. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé en 2019, ce à quoi je m'attendais, qui n'est pas arrivé? C'est l'évolution de la VR. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les nouvelles technologies et la VR, c'était quelque chose où voilà, j'attendais vraiment des évolutions, plus de titres disponibles, sur les casques, enfin voilà, j'attendais vraiment la VR pour 2018 et on l'a pas eu. Donc j'ai m'étais mis en 2017 à la recherche d'un casque, peut-être même en 2016 d'ailleurs, un casque voilà, de VR, un truc super sympa avec écran intégré qui coûterait pas très cher, etc. Je me suis vite rendu compte que, à part les Tenor, les HTC Vive, les Oculus et autres casques à plus de 400 €, mis à part ça, on n'a pas vraiment de solution qui serait plutôt bon marché. Et puis en plus, on a plein de technos avec des catalogues de titres différents par technologie, mais on n'a pas un catalogue unifié. C'est quelque chose de, je trouve, un petit peu dommage, et ça empêche, je pense, à mon sens, le développement de la VR chez tout le monde. Bon, pour ma part, j'ai quand même gagné à la Paris Games Week un casque VR Mixed Reality de chez Acer, donc à la Paris Games Week 2017. Du coup, je m'en suis quasiment pas servi en 2018, mais je compte bien m'y remettre en 2019. J'ai vu qu'il y avait des petits titres qui étaient sortis entre-temps, qui étaient sympas.
donc je pense que je vais m'y replonger en 2019 en espérant du coup que le côté VR se démocratise un peu plus et pourquoi pas s'unifier un peu plus au niveau de toutes les plateformes et puis qu'on arrive à avoir des casques un peu plus abordables. Et du coup ça me permet d'enchaîner avec 2019. Qu'est-ce que j'attends côté high-tech de cette année 2019? Bah la première chose c'est qu'Alexa continue d'évoluer et de nous offrir davantage de possibilités. La deuxième chose c'est que bah, comme je viens de le dire, la VR puisse être un petit peu plus accessible à tout le monde et qu'il y ait plus de titres, etc. pour qu'on puisse vraiment en profiter chez nous. Qu'est-ce que j'attends aussi en 2019? Mon nouveau smartphone, c'est le OnePlus 6T avec son petit capteur sous l'écran et tout. J'ai vraiment hâte de le découvrir, de le prendre en main, etc. Donc j'espère le recevoir très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'attends aussi en 2019? Bah, de découvrir de nouveaux produits, parce que j'adore découvrir de nouveaux produits, que ce soit les produits chers, pas chers, etc. Parfois les petits trucs qui valent pas très cher mais qui sont super utiles. Donc voilà, j'ai envie de découvrir davantage de produits, d'avoir la possibilité de faire plus de tests et du coup, ce que j'aimerais, c'est pas de la high-tech, mais c'est du temps pour consacrer davantage de temps à mon blog et à la high-tech. Et puis j'aimerais bien aussi, si possible, faire quelques vidéos avec des blogueurs, des youtubeurs, etc. Histoire de changer un petit peu, de diversifier le contenu et de rendre peut-être les vidéos parfois un peu plus interactives avec des échanges avec quelqu'un, etc. Allez, je pense que je vais m'arrêter ici, j'en ai assez dit. Et si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne de Stéphane. Merci Steven, c'est vraiment sympa d'avoir pris ton temps pour faire cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez les liens qui vont bien dans la description. Allez lui faire un coucou, ça lui fera plaisir. Et j'ai pris en compte ton message perso. Voilà les amis, pour cette vidéo en collaboration avec Sandstorm. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description, en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour aider l'association L'Éducation du Phoenix qui vient en aide en apportant la culture geek sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Les amis, c'était Stéphane, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut !